cette vacance là, on revient du sud. Chez une fille et ma jambe, ils habitent à Biot. Tu connais Bio? Ah ben Bio, chez Bio, chez Mititaldi. Bio, chez Bio. Alors, t'as des chapins partout, t'as du soleil tout dit, jambon, il roche. Très bien sûr. Après, on a fait beaucoup de choses à Porto, on a fait beaucoup de choses, on a été à Cage Théâtre, je t'ai dit Vionis, là, une pièce de théâtre, là, comment ça s'appelle cette pièce de théâtre Ah oui, El Keke et sa nonoche. On arrive au théâtre, premier rang, oh, mais j'aime bien ça, elle va se trouver sur scène ici, bon, une pièce, elle commence, avec Brigitte Bardot, elle attaque, oh là là, comme ça. J'ai mis une tête dans un cou comme ça, qui comprenait rien. Bon, ça a été. Très belle pièce. Mais tu comprends pas tout là-bas parce qu'il parle pas bien français. Hein. Non, non, ça c'est pas bien. Mais sinon, c'est très bien, mais là, en fait, tu comprends pas tout. Bon. Alors après le théâtre, le lendemain, elle était à 20 000. Ouh, 20 000. Le marché où ils vendent des sacres crocodiles. Ouais. Sur tous les sacs, t'as une petite étiquette là. Gucci, Pucci, DG. C'est sûrement pour une bonne, ça. Ouais. Ah, j'ai rien à capter là-bas. Voilà, tout est marqué en anglais. Après le marché, on était au restaurant. Restaurant sur le plage, là, avec une passerelle, là. Bien, bien, tu serais cru sur un bateau, sur l'eau, quoi. Pareil. Bien. On a mangé. Rien à manger des frites. Après, on est rentré à ce baraque, on a récupéré du carrette, là, on arrive, passage au niveau, ferme. Je sais rien. Je vais récupérer un appareil photo, je vais me faire une photo du train d'un autre pays. Il est impressé, il arrive. Même que le coq était là, le cerveau, il traversait tranquille, le cerveau, quoi. Le train y arrive. TER, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle même qui a par chez nous ici, une marquette à Ploxter. Pareil. Alors j'ai rangé une commande. TER. Tu sais ce que ça veut dire, TER? To the after. Bon, après, dimanche, il y a football. T'es football dans le grand stade là, voilà, un match de football là. Alors on arrive, match de football, on arrive. On tourne, que je chope pas une place. On tourne, que je chope pas une place. Là. Ouais, mais l'heure aussi, tourne-nous. Je me dis, on est mal barré ici. On va louper le DB, je le sens. Je le sens. D'un seul coup, on me file, je suis au parking là. Vigile à la porte. Allume sa cario. Elle fait ça à l'estomac. Elle vit sur une carabistoule. Elle vigile. C'est bon. Oh. Je suis resté scotché. Elle me file, elle est forte. Alors, on arrive dans le stade. Allianz Riviera. Riviera. Tu l'as vu, la rivière? Et ils ont dû oublier de le construire. Alors, après, tu rentres dans le stade. Oh, mais là, fais attention, là. Ouh! T'as l'aigle qui tourne au-dessus de qui, comme ça? Vitravise. Dangereux, hein? Enfin, nous, on s'en fout, on était à l'intérieur, carré VIP. Parce que c'est le carré VIP, quand tu es dedans, après tu comprends ce que ça veut dire carré VIP. VIP, ça veut dire viens ici pour. Viens ici pour manger, viens ici pour boire. C'est bien. Carré VIP, très bien. Alors après, ça, on a été lundi, on a été
Marineland. Ouh, Marineland. Alors, nous, dans Schneider, on a les terres et le carbon. Là-bas, ils ont Marineland. Pas pareil. Bon. Alors, t'arrives à Marineland, à un parking. T'as beau champ, pareil. Il est vide, le parking. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, on aurait voulu, c'est tout fermé. Hein. Non, c'est ouvert. Hein. Ils ont dû ouvrir le magasin pour nous, certainement. Alors, Marineland, elle dauphin, le zorc, l'ours, le tortue, le chocolat, le phoque dans ce baignoire. Il nous a vu, il a sorti le tête de l'eau, il a crié dessus. Ah, ah, ah. Tellement qu'il était content de voir du monde. Allez. Alors, en vacances, j'avais mal à mon épaule. Oh, tout le monde à mon épaule. Alors, une fille, elle s'est occupée de lui. Elle m'a mis un cataplasme. Miracle. Je croyais que j'en venais de Lourdes. Chica mal à la tête, ça c'est autre chose. Bon. Alors maintenant, bah, on va faire le bilan. On va faire le bilan des vacances et on va passer à la notation. Alors, on va commencer par l'hébergement. Alors, l'hébergement, c'était chaud, c'était calme, c'était douillet, confortable. Oh, c'était quand même tellement calme quand on n'est pas requin. Alors, pour la partie hébergement, je vais mettre un superbe 9. Ça, j'en mérite. Bon, après, la partie restauration. La partie restauration. Subtil, fin, raffiné, avec une petite bière avant le repas pour mon estomac, ça c'est bon. Majan, lui, il boit pas. C'est un sportif, il joue au football, il a joué avec le champion du monde, là, comment il s'appelle le champion du monde? Ah oui, Zinedine Zidane. Si, je te le dis, mais. Alors, on va passer à la notation, la restauration. Alors, là, pour la restauration, je vais mettre un excellent 10. 10, ouais. Et ça. Alors, maintenant, on va passer à l'animation. L'animation. Les marches au Grand-Duc. 4 d'Antibes. Oh, attention, 4 d'Antibes, c'est dangereux. Hein. Fais attention. C'est que tu marches, hein. Parce que on est passé, le lendemain, il a retrouvé les os, le cadavre là au fond. Là. Puis après, t'as le plage. La plage avec les enfants, là, pour jouer au ballon. C'est bien, les enfants Chara et Benjamin. Alors, après, t'as la mer, tu peux aller baigner si tu veux. À cette descente, t'es tranquille. Il n'y a pas un quien. Tu peux y aller réservé aux touristes. Ça, c'est bien. Alors maintenant, on va faire le bilan, on va noter les notations. Alors là, c'est un exceptionnel 10. Et ça, mesdames et messieurs, et ça, Jacquette. Bon, on continue. M'entraîne. C'est les prochaines. On va à Ibiza.